And we're down, we go. Salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle review et on se retrouve pour tester 4 jus de chez Millésime. Alors, première review sous la neige, Clermont-Ferrand du coup 8 novembre 2017, premier flocon de neige. C'est pas de la bonne neige, c'est de la neige flotteuse, on va dire. Bien lourde, bien qui fait chier quand tu la prends dans la gueule. Mais elle est là, donc premier flocon de neige, première review, on fait ça. Et donc j'ai dit 4 jus de chez Millésime. Je vous en montre un ici. Il y a quand même des jolies petites fioles. Le melonnier. Donc ces jus, ils m'ont été offerts par Bernie sur la Vape Expo Paris 2017. Et ben, il était temps d'en faire une review parce qu'il en reste plus beaucoup. J'ai tout vapé parce que c'était très bon. Donc 4 jus, le melonnier, le pitaya, un beurre de cahuète et le Beetlejuice. Chez Millésime, les mecs, ils sont partis sur une idée originale. Ils se sont dit, on va monter un jus simple mais parfaitement équilibré. On me dit, aujourd'hui, tu vas vaper du melon. Ok, le melonnier. Mais ce sera le putain de meilleur melon que t'auras jamais vapé. Quand tu vapes ce liquide, t'as juste l'impression de croquer dans le meilleur melon que t'aies jamais mangé. Le boulot d'équilibrage, il est juste ouf. C'est... Voilà, voilà. Donc, au niveau du matos... Toujours petite box avec un armor clone dessus. Ça, ce sera pour les deux fruités, pitaya, melonnier. Et on aura du coup la petite SVF avec un pétri pour les deux gourmands, beurre de cahuète et Beetlejuice. Donc on attaque tout de suite avec le melonnier, que je connais bien. Donc là, on racle les fonds de fiole. Mais, oui. Oh non, ça va, il en reste. Oh, 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 ça va aller. Hein. Paf. Premier jus, le melonnier. Donc voilà, c'est ce que je disais. Un putain de melon, bien sucré, bien juteux. Donc je me suis renseigné, melon de Cavaillon, donc un melon cantalou. Ça va très loin. Avant on se disait, bon tu vas vaper de la framboise. T'as acheté ta petite fiole chez Alpha Liquide, tu vas vaper de la framboise. T'étais là, ouais, bon. Là on est arrivé à un stade où on dit tu vas vaper du melon, bah t'as l'impression de bouffer du melon. Donc, est-ce qu'un jour les illiquides remplaceront la nourriture? Je ne pense pas. Mais le concept serait quand même savoureux. Donc melonnier, bah voilà, pas compliqué. Le meilleur melon que j'ai jamais vapé. Et de loin, clairement. On fait un petit coucou à Frédéric Strobel. Qui adore travailler le melon au niveau des dailles, bah inspire-toi de ça, putain de merde. Deuxième jus, le pitaya. Alors, pitaya, c'est le deuxième nom du fruit du dragon, un fruit exotique. Et là, dans ce liquide, ils l'ont un petit peu pimpé avec de la pomme et avec un petit goût de bonbon gélifié. Petit coup de pitaya, paf. Pareil, bah, que dire, c'est putain de bien équilibré. On sent un petit goût de pomme, sympatoche, plus pomme bonbon, pas une pomme fruit. Le petit bonbon gélifié qui est là aussi, discret, ça prend pas le pas, c'est pas écœurant. Bah... Et le fruit du dragon, du coup, bah, note mère du truc, un bon goût de pitaya. C'est pas facile à travailler le fruit du dragon. J'en avais goûté un de chez Master Revolut qui faisait ça, un concentré fruit du dragon, qui était très bon, mais on avait voilà le goût du fruit du dragon. Là, il est un petit peu retravaillé, on a cherché une saveur qui se mariait bien. La pomme, ça colle nickel. Encore un très bon liquide. Pitaya, bah, si vous aimez l'exotisme et le goût du fruit du dragon, si ça vous gêne pas, foncez, sans déconner. Changement de matériel, SVF, beurre de cahuète. Non, on va attaquer par le Beetlejuice en premier, il est peut-être plus neutre. Yeah. Alors, Beetlejuice, céréales, caramel.
Là, on est au fond du cul de la fiole. Celui-là, il va être bon parce qu'il en reste pas des masses. Non, ça va, ça va. Tac. Voilà. Serrer tout ça, c'est le bordel. Let's go. Pouille, pouille, pouille. Quand on m'a dit céréales caramel, on est tellement habitué à intégrer de la crème, du lait, un côté lacté dans ces liquides gourmands, que ça m'a surpris. Là, pour le coup, c'est assez sec. On a un caramel et des céréales. Je préfère, à la limite. Je préfère. J'adore les liquides bien gras, mais de temps en temps, en hiver, quand t'as pas envie de charger, d'avoir un truc trop fat, petit céréales caramel bien sec. C'est vachement bon. Ça se rapproche pas d'une céréale type les lions, la conf, chocolat, caramel. Plus subtil, on a un bon goût de céréales. Le caramel est très bon aussi. Enfin, que dire? À qui on peut recommander ce genre de jus? Bah ceux qui sont peut-être un peu lassés des jus bien gras et qui ont envie de retrouver un gourmand mais assez sec. Je vous l'ai pas dit, mais du coup ces petites fioles, elles sont disponibles au format 20 ml de juice nicobustable. Donc ils ont pensé au primo. Ça fera plaisir à Jacques. Là on a de la place, on a 10 ml, tu fous un booster de 20 g, ça charge. Et les fioles, on peut revenir 2 minutes sur les fioles quand même. C'est putain de classe. Je sais pas, moi je trouve ça méga classe. Ça change de la petite fiolasse en plastique avec l'étiquette low cost. Ça a de la gueule, quoi. Comme ce qu'ils font chez Millésime, c'est classe, c'est simple, c'est efficace. Voilà. Et donc, dernier jus, le beurre de cacahuète. Alors, le beurre de cacahuète, il m'a aussi bien marqué. J'en ai vapé très peu, mais j'en cherchais depuis un petit moment un bon. Donc, on fait un coucou à Marie, du coup, Miotti Licetti, qui cherchait un bon beurre de cacahuète. Je n'ai pas hésité, je l'ai directement envoyé sur celui-là. Pareil, on reste sur la même idée que le Beetlejuice, c'est assez sec. On n'a pas un beurre de cacahuète trop gras. Un bon goût de cacahuète, par contre, hein, ça, il n'y a pas de doute. Légèrement sucré, mais pas trop, pas écœurant. Un super beurre de cacahuète. Le nom du liquide, parce que je mets beurre de cacahuète comme un connard, mais c'est le cacahuète. VG. K, du coup. Cacahuète. Donc voilà, fin de review. Le liquide qui m'a le plus marqué des 4, c'est de loin le melon. Le melonnier, donc. Parce que c'est un liquide qui est simple à crever, mais qui se vape sans fin. Et là, je vais arriver à la fin de la fiole, je vais être excessivement triste. Je vous le cache pas. Donc ces liquides, vous pouvez les toper sur le www.liquide-6-millésime.fr. Voilà. Faites-vous plaisir, vous ne serez clairement pas déçus. Un gros merci à Bernie, Monsieur Bernie Vape, et à toute l'équipe Millésime qui est venue nous faire un coucou sur le checkpoint. Le checkpoint Aélic. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vape à tous, une bonne fin de journée. Si vous avez de la neige, profitez-en. Si ça vous fait chier, ça passera. Le retour des beaux jours, le réchauffement climatique, c'est en cours, hein. On a eu un mois de novembre quand même. Un début de mois de novembre pour dégueu. Fallait que ça arrive un jour. Ne soyez pas triste. Vapotez, prenez soin de vous et à la prochaine.